Bonjour. Bon, ça y est, il est 9h, j'ai quitté le camping, direction le col du Mont-Cenis. Il y a du soleil, il fait bon, je pense que les conditions sont idéales. Et ce soir, je suis au refuge, à l'hôtel Grand Scala. J'ai 20 km à faire. Voilà. Le topo guide nous indique 7 heures de marche. Hâte cette montée par le chemin des morts quand même. Ça donnait pas trop envie. Hein. Mais bon, je suis arrivée. Saint-Pierre d'Extravache. Allez, je vous fais un tour d'horizon. Je crois qu'on attaque le plus gros de la grosse montée pour atteindre le col du petit Mont-Cenis qui est indiqué à 1h40. Et là, on va passer de 1500 mètres à 2200 mètres d'altitude. Il y a des framboises. Waouh! Il y a une armée d'anges qui m'accompagne dans cette traversée des Alpes. Merci.
c'est juste impressionnant, incroyable. J'ai du mal à me dire que je suis là où je suis. C'est, ouais, presque inconcevable. Une petite nana au milieu des Alpes. On a une cabine téléphonique à 2000 mètres d'altitude. Bon, j'y suis presque. Il y a des cyclistes. Ils doivent être en haut. Juste là. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bon, bah ça doit être juste là. Ouais, ça fait bizarre aussi, il y a des voitures. Quoi ? On peut monter en voiture, on m'a rien dit. Je dois bien avouer que la moto là, les voitures, tout ça, voilà, ça pète un peu le truc quand même. J'y suis. Et maintenant ça redescend. Je viens de voir trois marmottes traverser le chemin. Je me suis demandé ce que c'était, c'était un peu étrange pour être un chat. Non, non. Je sais pas où elles sont, elles ont dû partir loin. Bon, c'est déjà le matin. J'ai oublié de vous saluer hier soir. Alors je le fais maintenant. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.